Fidèles téléspectateurs de Congo Life Télévision, nous sommes au cœur de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes dans cette place mythique de place des évolués et en plein centre-ville de Kinshasa pour parler de la situation politique en République démocratique du Congo, pour vous faire part. Il y a Makamono, ce que les Kanakati, il y a en pleine période, il y a campagne électorale, de la fièvre des élections et puis ma voix qu'on s'est levée de partout. Est-ce ma première exalité ou exalité? Nous sommes enrôlés pour voter dans la Mokola le 20. Le Banangeza que nous encourageons Bino Boya pour participer à un scrutin, à un vote autour de la Mokola. Il y a le 20, mercredi le 20 décembre 2023. Et là, nous avons dit que le processus est à Bino. Le processus est à Yabanamboka. Tout ça, là, on m'a l'âme. Boya, pour voter. Pour voter, Moutou, numéro, Boumoni, Kubolingi. Comme ça, Moutouana, Batouana, pas donc, Bakamamboka. Mais, il faut pas. Il faut Boya. Parce que, Binonde, vous avez la décision à Maboko. Binonde, Chouana, Binonde, au salaire que Mboka Abisso. Et aux élections, il y a mal à moi, ils ont ça là que tous ces pays n'ont mis qu'un zinabiso et que Mboka et que Niliboso. Alors, pour ça, la décourager, t'es beaucoup camarades mingi baroloba qui ressent la maté, bon abo meseni, toujours la laté. Tout le monde me dit pourquoi, boutou, tout ressent là pour amener salama. Donc, tu as encouragé Bino vraiment pour participer. Ils ont beaucoup de Bino, beaucoup de spectateurs. Bino, il faut poser une décision. La même chose, dans le candidat, il y a une élection, il y a un exercice démocratique. Il y a un soir long, Nous allons voir comment la Mboka Armand Mukulu et l'ongona yeto kobeta masolo na scène politique à République démocratique du Congo na kati ya ville province ya Kinshasa, na cœur ya ville province ya Kinshasa to kobeta masolo ya politique à République démocratique du Congo. Mwana Mboka Armand Mukulu azali bongo personnalité politique ya République démocratique du Congo, azali bongo pe na kati ya ba communicateur ya Union Sacrée o bako porter Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bokumba minaye na deuxième mandat o ezali bongo le 20 décembre 2023. A kozwa yango mwana mboka mbote na yo. Mbote ndeko. Anabandi ete tozali bongo na kati ya plein centre-ville ya République démocratique du Congo, ville bongo kinoise, ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo. Tango yo kotala scène politique ya République démocratique du Congo, entame na yo d'abord avant to solo la ba thématique o ezali bongo énoncé scène politique ya République démocratique du Congo ko interpeller yo. Bon, je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs qui sont sur la Zola, mais aussi l'ensemble de l'équipe technique qui ont accompagné. Là, je vois le premier de tous les citoyens congolais, son excellent Félix Tshisekedi, le président de la République en fonction, candidat à sa propre succession, le candidat numéro 20 à la présidentielle, le choix du peuple, le candidat de la République. Et donc, on a participé à l'Imbo Kanyo sur l'Union Sacrée, pour la population qui a soutenu l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est un peu malam, tant que vous avez vu le lobby, en tout cas, c'est un peu mingi. Voilà. Je vais réclamer le lobby, le cas, il y a un cas là, il y a un cas là, il y a un. Alors, il faudrait comprendre que moi, ma camoupe est à Kébélé, il y a un bandeau au sala qui, à un moment donné, on peut se fixer, mais on a eu sous contre-temps. Au moins, on a été. En tout cas, la CP, la bande de l'Union, va réclamer. Cela prouve suffisamment que Maloba Oto, le Baïk Ndara Pambate, et au Canara, bande de l'Union, CP, la Ranango, et puis, tirer à moi les leçons pour me faire un peu de temps en pratique pour que le cannabis soit en train. Je voudrais ici rassurer la population congolaise d'une manière générale que la RDC se porte très bien. Quand je dis la RDC se porte très bien, ça veut dire. Ba indicateur socio-économique nyoso ya mboka na biso, ba facteur principal de base ya mboka na biso o esalaka ke légitimité ya mboka eza na équilibre o esalaka ke mboka etambola nene senye na ba institution établi eza nyoso malamu. Ça veut dire nous avons un président de la République qui fonctionne avec toutes les institutions possibles bazo kamba ekolo na ndenge esengeli
notre pays a une économie, en tout cas, nenge tolobaka oyo dépendaka na mikili ya libanda. Toyi na économie moko à faible exportation. Toyi na économie moko à une forte importation. Ça veut dire toyi na économie moko extraverti. Toyi na économie moko oyo biso moko tobimisaka pena biloko libanda te, mais toyi mbaka biloko mingi utaka libanda ya mboka na biso. Nous n'avons pas une forte production locale à l'interne. Ça pose problème. Il y a un moni même na kati ya balance économique à mboka na biso, au moins tantôt to ya dollar américain zomata tantôt ezokoka ko kita pena te nyoso wana likolo bake. Nous devons produire localement. Ce qui est produit localement, production locale à mboka na biso comme likolo PIB ya mboka na biso comme équilibré. Il faudrait rappeler ici que quand le premier Tshisekedi est entré au pouvoir, PIB na biso ezaki na plus de 40 milliards de dollars américains. Mais le PIB na biso comme na 54 milliards de dollars américains. Donc ça veut dire tout simplement que le président Tshisekedi est en train de travailler. Mais il faut comprendre que maya tomo wana nambe kota ki na kati ya tomo. Même ba renverser ki na mabele et on sent asiko ko tombo la tomo ko zongisa maya et puis maya wana sa ni kota etoda. Ce qui n'est pas facile. Ça veut dire que nous devons y travailler. Il faut travailler sérieusement pour tout atteindre ce qu'il y a de développement dans Mboka na biso. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec le président Tshisekedi. C'est pour te répondre, pour te dire que, avec par exemple le PEDEL 145 territoires, programme de développement 145 territoires, il y a autre chose de développement à la base, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, dans presque toute l'étendue du territoire national, ma territoire, nous sommes en Mboka na biso, ma construction est allée à multiples catégories. Ma pont est au salama, ma nzele est au salama, ma centre de santé est au salama, ma hôpital est au tonglama, ma école est au tonglama. Et donc, vous allez remarquer qu'avec moi, liaison à ma nzele, on a aussi du programme, il y a développement, 55 territoires. Et que si la souka te parachève, en autre aussi, si en autre, vous allez remarquer que développement à Mboka, évacuation à bien, il y a d'arrêt alimentaire à première nécessité, évacuation à la population, évacuation économique, et qu'on va faire ça là, facilement dans quatre, il y a ma localité, dans quatre, il y a ma territoire, c'est ce qui fera que ton booster économie interne à Mboka na biso. Voilà. Parce que nous n'en manquons pas, toi, il y a une sur Mboka na biso, en termes de richesse, sous-sol et ali. Mais aussi, la bande là, elles allaient s'engana. Ce qui m'a dit, Sangani, au moment où l'économie est morte à l'abisso, et comme on a facilité l'évacuation. Donc, tu as boosté l'économie interne à morte à l'abisso, production locale au matin, et puis au monde, la bilogue au moussousso, le lot au monde, le col à bilogue au moro luxe. Il faut que tu ailles à Libanda, il faut qu'il y ait Libanda. Oh, c'est à Bumba, on a Kalatoane, on a Bumba, il faut que tu ailles à Zambi. Oh, on a la moussousse, ma cassou. Oh, coco, tu ailles à Nagozoan, on a la bandoudou. Oh, il faut que tu ailles à Moussousou, Namibi. Au moment où Mamsou Massangou et Pamba, Massangou, oh, il faut que tu ailles à Mboka na biso Massangou, et maintenant que tu ailles à Grand Kassai. Au moment où il faut que tu ailles à Moussou, ceux qui n'ont pas de paiement fruit du Sud, l'entreprise mine de Koufa, le Kola Bamidema, l'entreprise, oh, il va dire que ça, là, que Mboka na biso produit localement. Tu es mis, comment ça va te? Missolo Tchama, ah, Mboka na biso, maintenant, projet à Bukangalonzo. Ils ont un projet, ils ont un projet phare. C'est vrai, c'était à l'époque. Mais ils ont un projet, ils ont un projet sur l'école qui est dans le bosso. Mais moi, je suis dans le monde. Mais tout le monde est à Pogno. Voilà. Alors, le projet est en cours. Ils ont un projet qui est en cours. Balima kana matata poza kanda président po tawanya de komia ko tambola batikie asa la campagne ye après la campagne électorale la campagne présidentielle je crois de matata comme salien na katumbi bon c'est son droit je crois après ma campagne élection ba continuer de se mais parce que eri ba misolo e kota na ba projet meti ya o ko ki ko sala ke moi masangu moi nini ko mape ko ko mape e ko ke mape moi na ba partir ben na mboka na biso. Pour tout sentir quand même que et le coup de Benaka pouvoir d'achat il y a C il y a pouvoir d'achat il y a petit peuple et mes capes koyo kanana biloko et tel net biloko kolia mais malheureusement ils ont un projet et coup farado ça veut dire que moka ils ont tambola malamo na yo kité likambo te crise des ans crise institutionnelle autre ainsi de suite. Non, il y en a pas, le pays est en marche et président Tshisekedi Azo kamba ekolo na ndenge sengeli na ba norme démocratique pe na ba norme institutionnelle sengeli et donc l'élection ngo ezo se préparer déjà tozo tenema ponomi
Voilà. Mais que les meilleurs gagnent, ils allaient payer les gens qui sont dans ma ponami. Mais, contrainte, tout suspense, ils allaient dans la scène politique, les loyaux, et qu'au tambola, et qu'on soit même le peuple, c'est qui ne peut élire le 20 décembre 2023. Ma ponami, est-ce qu'ils allaient le 20 décembre 2023? Tout est improbable. Report, et pour ça, ma ponami, et pour ça, moi, je suis mon amour. Non, de quoi, bato bazo jiré sur report ya belection et yiba neko ba se préparer te pour na belection parce que moi je me demande moto a se préparer pour na belection azo ça la campagne électorale na ndenge singile aza sûr et certain qu'il azo qu'une élection pour gagner aza na ba collaborateur à makasi aza ba stratégie mise en place a démarrer ba batterie tout à tiango sur terrain. Activer ma laboratoire dans l'union politique. Azo qui est de ma ponomie, arrive à confiance à la population en banque d'élection. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Moi, tu es un peu comme ça. Mais tu es un peu comme ça. Tu es en charge d'avion pour l'évacuation. Ce qui est un matériel à Sénu. On a vu le communiqué. Il y a des Nika Di Maïa. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a le lobby qui a dit. Gouvernement qui a liquidé Nambo et Mbongo et Ticalité, a une incapacité à concerner le déploiement, il y a un kit électoral, il y a un coin, il y a un capital, il y a un cannabis sur la République démocratique du Congo, il y a un gros, il y a Moïse Katoum, c'est Moïse Katoum qui a dit que Azali a retiré l'avion, a apporté main forte dans la CENI, mon amour, est-ce que Azali m'a bien? Voilà. Quand la CENI parle, la CENI ne parle pas le rôle de l'institution, CENI a joué le baloko là. Institution habilitée à consacrer sa belle élection. La CENI est technique. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut savoir faire la nuance entre CENI et l'institution politique. La CENI est technique. Tant que le technicien est à lobby, il y a un homme qui a besoin de boire. Ce qui est le bon, c'est le bon. Il y a peut-être une insuffisance, il y a un problème qui a besoin de boire. Il y a une probabilité de reporter l'élection. Est-ce que Bino Bogi Kouna que Sénat le maire va reporter l'élection? Non, la CENI n'a pas dit ça. Moi, j'ai mis ce communiqué-là. CENI a continué à présenter ma problème, ma difficulté à Zali. Ce qui est même parmi ses prérogatives constitutionnelles, lui conférées par la loi. Ce n'est pas un problème. Mais même la population Koubanga peut être reposée là. C'est là tout la même question. Quand le CENI a fonctionné, moi, je sais la wana, et tu n'as pas chaque année. Non, de Nika Dima, attendez, le fonctionnement à CENI, Benjamin, le cadre à CENI, le technicien à CENI, plénière à CENI, présidium à CENI, nous sommes en descente sur le terrain, le matériel est dans la cocotte, il s'en déjà dans la bicycle, M. Sengeli. Le mouvement, tout CENI a ça là. Alors ça, on a même la poche à Kadim. Vraiment en train de mettre des moyens à la CENI. Mais écoutez, nous avons aujourd'hui beaucoup de priorités dans notre pays. Il ne faudrait pas donner l'impression que la meilleure ou soit la priorité de toutes les priorités, ce sont les élections. Non. Mais l'élection est une obligation constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est obligé de mobiliser les moyens nécessaires à tenir la CENI. Mais, ne connaît pas. Tant que nous avons un peu de temps, quand le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a fait le point de presse, tant qu'on a clarifié tout ma Kambouana. Vous avez suivi Patrice Anseya, la Top Congo. Tant que le gouvernement a déjà donné autant, il y a eu un package qui a été déjà tracé dans la ligne budgétaire. Ezali, Seigneur le bilan, il lui faut plus ou moins 1 milliard de dollars américains. C'est presque la même chose avec Corneille à l'époque, il y a eu 1 milliard de Bourdaki. Pour les 1 milliard de dollars américains, le gouvernement a eu déjà décaissé 500 millions de dollars américains. Donc, il y a eu un peu de temps. Mais il y a des gens qui ont la guerre, qui ont la bitumba. Le social aussi réclame. Donc tout ça pour vous, c'est rien. Gratuité de l'enseignement, et je sais la mort. Gratuité de la maternité, et je sais la mort.
la construction va nous là, bien dans le but, dans le projet de développement 57 étoiles. C'est de même l'argent. Les fonctionnaires de l'État, il faut faire tabarro chaque fin du mois. Les enseignants, il faut faire tabarro. Les recrutements, je sais, le même dans la fonction publique. Il faut faire la mécaniser, payer. Tout ça pour vous, pour la bimbo électricité. Il faut faire tabarro. Il faut faire ça. Et tout ça pour vous, pour la bimbo, pour la paramètre, pour la bimbo, pour la élection, élection. C'est vrai. C'est un dossier constitutionnel. Écoutez, c'est une obligation. C'est une obligation constitutionnelle, mais que l'opposition ne puisse pas récupérer cette problématique. Il y a Makambuya, gouvernement PCM, comme ça, on le colla, l'inette n'a pas le tien, on a mis soit comme autant, on a eu le seul. Non, non. Denika Diman n'a pas dit qu'à organiser l'élection, t'as le droit de voter. Mais je l'aime là, pourquoi? Pourquoi il s'agit? Donc Moïse Katoum a pété sa nuit. Non, Katoum il s'agit pour rien. Katoum il s'agit. Moi, le gouvernement a joué mis en place à la CENI. Katoum il m'a mis en place. Si on a joué comme ça, on a poussé un bon waïba pendant ce qui est 9 ans à Katanga. Azela, je procède avec le fondement de waïba. Katoum a joué comme ça, un bon waïba. Il a mis en place. À s'enrichir illicitement, mon on est copé, c'est nous pour ça. À commission, à l'autre, est-ce que moi, maintenant, la Zalibo, un peuple congolais conscient, la Zan, souci en bon, la gestion, Katoum, la Tika, la Katanga, qui est la Katanga, qu'est-ce qu'il y a de grave là-bas? On y bat avant la Mbassi, ce qui est beaucoup, ça, Katoum, la Mbassi, la Mbassi, qu'est-ce qu'il y a au Katanga là-bas? Qui est là? Katoum, il a récupéré presque tout. Même si l'économie est en Katanga, il y a ce qu'on a fait. Il y a un modèle. Il y a un modèle. Katoum Dialobi, a un avion. Gouvernement République. Et Sengir a un mot de côté parce que le gouvernement est en train déjà de travailler pour l'élection et Salama. Ce qui est bon, c'est que les gens qui ont été en Katanga, ils ont été donc, le 20 décembre 2023, il y aura une élection. Il y aura une élection le 20 décembre. Voilà. C'est mais... ce que les opposants qui s'agitent. C'est pourquoi que... parce que dans le monde, on a un glissement. Mais on a un glissement. Nous, on a un glissement. 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 On a la famille du président Tshisekedi sera en train déjà sur le glissement. Ça va bien des valeurs. Après, on a un glissement. On a un Steve Wendy. On a un glissement. On a un glissement. On a un glissement. Mais on est où? On est où? Mais moi, attendez, écoutez, le président Tshisekedi, c'est un Congolais. Le président Tshisekedi, c'est un Lindakou. Ben non, tu es papa, tu es tu es papa, tu es papa, tu es papa, tu es papa. Il y a Katoum Biwana, il y a un service sur l'Azara Congolais, Azara Zambien, Azara Italien, Azara Grec, Azara nationalité. Il y a un Jean-Pierre Bemba. Mais tu es le ministre d'abord qu'on sache. Parce que Babiloko, il y a 4 et 4 au Taloba. Tu es le Tamboulara. Babibé, il y a tout ça. Babylon, Francis, Kalombo, Kalombo, à l'époque, à Zoloba, Bazo, Traqué, Katoum, bien, Kalombo. Tout ça, on a dit, non. Ma cambo, Poko, Nyanga, le bas, le bi, Bolia, Mbongo, à souhait. C'est un étranger, Boko, Pola, Mbongo, la Bolia, à souhait, Mbongo, à Yubi, Mbongo, à Katan, à Pié, à Yubi. Tout ça, ma vidéo, là. Ma vidéo, y'a Moko, le bas, Tatan, y'a Boko, là, y'a Sogi, la pêche. Alors, papa, n'a pas la nationalité, Moussousou. Maman, n'a pas boé. Est-ce que Yubi, on connaît? Voilà. Quand la Lobby a tenu à ce qu'on a la mort à la juif, la seconde groupe à la mort à la juif, a tenu à chaque fois qu'elle est recommémorée, nous avons attendu à elle qu'elle est reconsécrée dans la tombe. Alors, bon, non! C'est comme un modèle où on a parqué la Russie. Bon, je comprends, la Cour constitutionnelle a fait son travail juridique. La Cour constitutionnelle a fait son travail à niveau là. Mais moi, ici, je parle comme politique. Ah, la zone va le voir la politique. Ici, je ne parle pas comme un magistrat, je ne parle pas comme un juge de la Cour constitutionnelle. Ici, je parle comme un politique. C'est de la même manière, on m'a dit Jean-Pierre Bemba tiré. Et puis le vieux Bemba a raison. Il a raison. Katoum, il doit éclairer à la population que nous puissions réellement comprendre. Il est d'où, Aza Moutawa, Piaza, Aza nationalité. Voilà, merci beaucoup, mon amour. Moi, je me cesserai d'en parler parce que ma campagne élection, Aza Makambo, je me cesserai d'en parler, d'insister sur ça. Voilà. C'est pourquoi j'étais même en train de dire autrefois, Congolais ont voté Katoum.
à cause de la malédiction éternelle la vie naïe. Voilà, moi n'aime pas. Parce que ce n'est pas normal. Et si c'est le problème, et alors ma belle n'aime pas. Armand Mukulu, na bandi été to chité na biso mais to kolobe la likambo ko ezali très crucial. Ozali moko oyo totala ki période na yo pour défendre le président ya Assemblée ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo avec véracité, avec beaucoup d'énergie. Mais le nom du président Modeste Bahati Lukwebo a katisi bongo na ngambo ya Sud qui voulait pas combattre campagne et makasi pour na président Félix Tshisekedi tu sais que dit mais moi na mboka Armand Mukulu atile na Kinshasa étonnement to comme moi na mboka ba défense na union so ko le kana télé et ngonganyo so mikolonyo so mais moi na mboka uza na Kinshasa Bahati Lukwebo na Sud Kivu moi na mboka situation wana il faudrait comprendre. Non, il faudrait comprendre que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as campagne à Mokonza Mboka. Ils appellent la bande de communicateurs. Aïmoto a sali et belé dans Sud Kivu. Donc, Azotam, on a une petite équipe basée à la campagne. Ah, voilà, clair que moi, Mboka, Armand Mukulu, le président Modeste Bahati Lukwebo, a tiki à Kinshasa. Qu'est-ce que je fais maintenant à Kinshasa? N'est-ce pas dans sa campagne à président Bahati Lukwebo? Est-ce que vous regrettez Tene Bahati Lukwebo? Non, même pas. Les présidents Bahati, le président Bahati, c'est quelqu'un de très bien organisé. Et donc, c'est un fait politique, c'est un poids lourd. Descente na ekuna erakei akena quelques personnes on a identifié penza te na akena quelques personnes je ne sais pas peut-être cause à mamsou ce équipe ya communication na ya ça peut être ya campagne na ye quelque chose comme ça. Voilà, moi je continue ici à travailler pour lui, je continue à travailler pour lui. Tu m'as vu ici, j'ai fait quoi? J'ai fait la campagne du président Bahati. Quoi bon? Quand tant que nous avons le voté numéro 157 dans Bukavu, Bahati Lukwebo. Partout, nous avons le bas. Nous avons le bas à partir de Sud Kivu, la chaîne de télévision, nous avons le canal Plus, ils ont partout, même toi là. Tu m'as même en parlé dernièrement. Nous avons réclamé pour nous avoir côté ceux qui sont à Bukavu, nous avons le bas, mais tout le monde est armé, il est bongo. Tout à fait. Nous avons tout le monde est armé, non. Bas à la calme. Et one ezali ezali message parce que monsieur tozali bon c'est rien du tout. Moi je suis ici, je suis la télévision, la chaîne moko très suivi. La tikali na Kinshasa ka commenter le ka rappeler le kotaka et la répondre bande koana la tikali na Kinshasa justement on a relayé bactivité mieux sur président Bahati au sala kuna parce que toko ke biso mieux sur tout communicateur mieux sur o ya soutenir président Bahati. Moi je soutiens personnellement le président Bahati comme ngamoko naza communicateur privé à président Bahati par conviction on est la soutenir la défendre raï donc c'est pas conviction alors tes obligés tes missions sont tout qui ne coule alors c'est pas tout le monde qui est allé là-bas ou tout communicateur non, ils allaient d'une manière à gratifier élite oyo à kobunda na chaîne à télé élite oyo à cosa la communication et malam en faveur ya mon amboka Modeste Bahati Lukwebo au moins pour la reconnaissance et puis pour la considération le président Modeste Bahati Lukwebo Félix Abengayo et d'être avec toi nakati ya Sud Kivu mon amboka. Il y a un message même, je vois sur la télévision, tout continue dans président Modeste Bahati Lukwebo au Sénat, et il y a un message, la population, c'est un peu comme ça, en faveur de la population, communiquer malam on a quatre républiques démocratiques du Congo, vous êtes point politique, il y a un peu de place, Armand Mukulu, point politique, là, et pesé sur tout le monde. Bongo mona mboka zali cité de partout par rapport il y a ultimatum à 72 heures pour pesa ki na directoire
ya campagne ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et pas ya mwana mboka Jacquemain Tshabani na akasi ya badubola ezalaki bongo yo ozali bongo take mingi parce que pro politique na yo pesaki par rapport ya message wana où en sommes nous mwana mboka c'est des heures ici les cas. Bon, je voudrais ici apaiser les esprits de la population d'une manière générale, mais aussi pour apaiser ma communicateur Nyon sur l'Union sacrée. Na bengi bango bazala na kimia ba continuer ko défendre topé ko mouyé mayo po na mokonza moka Félix Tshisekedi, le candidat unique à sa propre succession, parce que toza obligé to sala yango parce que mayo peut-être c'est que les autres sala na bilan na ye je pense que le bilan est tout à fait positif à sali ebele soyi lelo to séché ba média na zomo na litomba mon côté. Parce que nous, nous sommes obligés d'accompagner le président Tshisekedi. Et ça, ultimatum, c'est vrai. Parce que tout ça, qui crie d'alarme. Il y a un communicateur, il y a l'Union sacrée, mais tout ça, comme ça, là. Tout ça, qui crie d'alarme. Crie d'alarme, on a. Et on a qui ne paye pas l'autorité. Voilà. Et donc, jusque-là, tout ça, il y a un débat, il y a un débat, continuer à défendre mon condition écolo. Parce que. Nous avons remarqué une récupération politique dans l'opposition. Nous avons fait une déclaration pour la bisseuse à l'école à moi. À ce point, moi, et là, comme je n'ai pas eu une inquiétude envers mes parents et moi, à sa mandication. Et pas mes parents, pour mes parents, pour que tu sais que c'est notre père à nous tous. À la papa, na bisseuse. Bisseuse à Congolais. Il est notre papa. Alors, quand nous faisons des revendications, sinon des réclamations, ils appellent à Yoka pour attendre la Némi répondre à favorablement. Ils ont une hypothèse de mon côté, Yagoluka peut-être connuie le régime de Bissot Mokonono. Mais nous avons vu les amis de l'opposition qui ont récupéré ça politiquement. Là, les journalistes, les bangous, les salariés, ils récupèrent politiquement. Voilà. Mais est-ce qu'on est en pleine moussoussou quand on voit ces Armand qui a fait cette déclaration et ça, là, qui peine à moi, mal à mouter. Mais nous avons aimé parce que le service, nous avons compris que ça cri d'alarme. Et puis voilà, nous sommes là, nous continuons à travailler pour le chef de l'État. Voilà, merci. Et ça, là, qui a un pour la mbongoté. Merci parce que nous sommes des responsables, nous savons comment nous débrouiller. Si quand on a l'a précisé parce que dans le cas de la retire le président. Non, 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 j'ai là. Tu l'as précisé au peut à 30 minutes là yo au principal message mala. Tu l'as précisé dans la mukepe. Na yo pas kimba ba communicateur frété ma ministre frété moko na yo kaki yo kaki. Ma webi, webi ba chochi. Webi chochi. Hein, webi chochi. Chocha mai, nani communicateur frété? Non, ba chochi ba. Nani communicateur frété? Petit communicateur frété. C'est que moi la moka. Mais on a qui va lui parler? Écoutez, mais on a qui va lui parler? Non, ils n'ont pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Non, écoutez, ils n'ont pas mon niveau de communication. Oko bango tanga ba. Je suis amma mukulut. J'ai frété en quoi ça? Écoutez, j'ai fait une déclaration. Mon nez bougeait moka. J'ai fait une déclaration. Mon nez bougeait moka. Oh, c'était une déclaration qui n'avait rien à voir. Ça veut dire tout simplement que je voudrais ici inviter toute la population de Bukavu de voter pour les candidats Bahati Lukwebo, donc le professeur Modeste Bahati Lukwebo au numéro 157 à la députation nationale. Pourquoi il faut voter Bahati Lukwebo? D'abord, c'est un scientifique de haute facture. Bahati Lukwebo, c'est un encadreur de jeunes. Bahati Lukwebo, c'est un promoteur. Il y a un projet ébélé. Et salami, et un salami, et un monana. Bahati Lukwebo, c'est un philanthrope. C'est un acteur social. C'est un moto.
ayokaka mawa ya bato asungaka mingi. Écoutez, tangu awa sali na Sénat comme président ya Sénat, tomoni batu likobwa sali na gestion moko orthodoxe. Gestion moko ya malamu etikala kosala manano te. Amoto na parcours na ye nyoso ya vie politique. Totika koloka te o nyaku nyaku, o ayibi, o makama mesal, batu likobwa za na biloko wana te. Yoka na ebisabino. Asali forage d'eau dans la ville de Bukavu. Bati asali construction ya terrain de football na Fina na Fimu akanitu. Bati lukwebo a fait la construction du pont Mugaba entre le quartier Sikera et Lumumba dans la commune de Bagira. Dotation à l'Institut Antonino des laboratoires modernes dans le quartier Pandi. Construction de la grande salle de l'Institut Antonino sur l'avenue Jean Mourinho dans le quartier Pandi. Construction des escaliers de plus ou moins 350 mètres à Pandi, Major Vambou, à côté de la Copec Chahi. Curage et drainage d'eau du collecteur Luziba dans le quartier Nyalukemba. Il a apporté son soutien à la société civile du Sud Kivu en termes de loyer. Il a doté de lampadaires à beaucoup de quartiers de Bukavu. Il a construit le pont qui relie Sibéa à Nyaruzinya, quartier Mkafu. Il a fait l'achat d'une parcelle et construction du terrain de football de Siriri. Il a fait la construction du pont reliant Jiamba premier à cette autre avenue, cinquantenaire à Elakat. Ce n'est pas facile. Bati Lukwebo a contribué significativement à la construction des paroisses de Mugogo, Ishamba Kabale et l'archidiocèse de Bukavu à Walu. Il a achevé la sève Sainte-Thérèse d'Avila, une parcelle paroisse de Buruba, commune de Bagira. Il a fait la construction des écaliers reliant les ronds-points Kibong de Jalébi à celui de Buhulo. De Buhulo 6. C'est là, ville de Bukavu. Merci, c'est pas grave. C'est très important, madame. Mais aussi, ça me repart. Bah, ça lui, il y a un autre, on va voter. Pardon de Rolangaï. Il a donné une cabine électrique aux populations de Moudoussa. Bah, tu as fait la construction de bornes fontaines au Kanjil, mais qui est commune de Bagira. Dotation de la ville de Bukavu. Des camions anti-incendie, construction d'un hôpital moderne, Nyakadaka, construction d'une université moderne, construction de villes pour logement des professeurs, Nyakadaka, construction d'un terrain moderne de football répondant aux standards internationaux, construction de supermarchés à Kavuvu et à Katana Centre. Donc ça veut dire tout simplement que, sans compter la cité de la science. Merci beaucoup, c'est un choix, je voulais dire, utile pour la ville de Bukavu. Et donc, à côté de Bati Lukwebo, il ne faut pas oublier Nicolas Toïna Fati Béton. Toïna Fati Béton, il y a un peu de la terre. Azo mobilisé pour la fatigue. Fidèle téléspectateur, tu as un numéro, Moussousou, au titre à la branchée. Merci, merci, Mingi Nabino.